وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يرحمك الله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يرحمك الله. Frères et sœurs, nous allons voir inshallah aujourd'hui le fil, si Allah Ta'ala nous permet cela. Surat al-fil, Allah Tabarak wa Ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ La sourate de l'éléphant, le fil en arabe, ça veut dire l'éléphant. Elle est de 5 versets. C'est une sourate pré-égyrienne. On a expliqué la dernière fois qu'est-ce que c'était pré-égyrienne et post-égyrienne, c'est-à-dire c'est une sourate mekkoise, makkiya, qui est la 19e sourate à être révélée. On a dit que ces ordres qui étaient donnés, l'ordre des sourates qui étaient révélés, ce n'est pas quelque chose d'exact. Ce ne sont pas toutes les sourates qui ont été révélées en entier, et ce ne sont pas sur toutes les sourates qu'il y a une certitude qu'elles soient révélées avant ou après l'autre. Mais certains savants ont fait, alhamdoulilah, l'effort d'essayer de dénoncer l'ordre de révélation des sourates. Allah tabarak wa ta'ala dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Comme dit l'imam Sa'di, n'as-tu pas vu de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de comment Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses, comment il agit, et de sa miséricorde envers ses serviteurs et des preuves de son unicité subhanahu wa ta'ala et des preuves de la véracité de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'as-tu pas vu parmi tout cela ce qu'Allah a fait subhanahu wa ta'ala aux gens de l'éléphant? Quand Allah tabarak wa ta'ala dit n'as-tu pas vu, alam tara, ici c'est à la troisième période personne du singulier, il parle à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, on a déjà expliqué auparavant, quand Allah ta'ala parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi pour sa communauté. Sauf s'il vient une preuve qui vient montrer que c'est spécifique au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc il dit, ô Mohammed, n'as-tu pas vu? Ô vous les croyants, ô vous les gens, n'avez-vous pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Qui sont les gens de l'éléphant? Ashabul fil. Les gens de l'éléphant, ce sont des Abyssins qui vivaient au Yémen. L'Habasha. Les gens de l'Habasha, c'était un empire qui était assez puissant. Parmi leur puissance, ils avaient envahi le Yémen. Le Yémen, ils étaient sous leurs ordres et ça faisait partie d'une province, parmi leurs provinces qu'ils dirigeaient. Et ils y mettaient leur gouverneur qui dirigeait le Yémen. Et l'Habasha, les Abyssins, étaient des chrétiens. Et ils ont voulu répandre cette religion.
parmi les choses que ce roi ou ce gouverneur abyssin qui était au Yémen, qu'il a voulu faire, c'est qu'il a entendu que les Arabes, ils donnaient une grande importance à la Kaaba. Ils l'aimaient beaucoup. Et c'était un lieu de pèlerinage pour tous les Arabes. Alors il a fait une église énorme pour concurrencer la Kaaba. Et il a voulu détourner les Arabes du pèlerinage de la Kaaba vers le pèlerinage de cette église. Tout ça, c'était avant l'avènement de l'islam. D'ailleurs, peu avant. Alors, un des Arabes, quand il a vu cela, et quand il a vu qu'il gênait les gens pour aller faire le pèlerinage à la Mecque, il a eu de la jalousie et de la haine. Il a été faire ses besoins dans cette église et il l'a sali et souillé avec ses excréments. Ça a mis en colère une rage incroyable à Abraha. Alors il a appelé des renforts en Abyssinie. Et qu'est-ce qu'il lui a envoyé comme renfort? Un éléphant énorme. C'est comme si aujourd'hui tu disais, un pays appelle son pays voisin, envoie-moi ton meilleur tank. On voit le plus gros tank qu'il a. Un éléphant énorme. Alors cet éléphant, il a été envoyé et il s'est préparé à attaquer la Mecque et à détruire une fois pour toutes cette Kaaba pour se venger de cet arabe et en même temps pour réussir à atteindre son but qui était d'attirer tous les gens à faire le pèlerinage dans son église. Alors il a pris route avec son armée et sur la route son armée prenait et confisquait ce qu'ils trouvaient. Parmi les choses qu'ils ont confisquées, c'est les chamelles du grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Abdul Muttalib. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Parce qu'il était au service d'une personne qui s'appelait Muttalib. Donc ils l'ont appelé, il a été connu sous ce nom-là, Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, quand ils lui ont confisqué ses chamelles, il a été voir. Il a été voir cette personne-là. Il a dit à l'envahisseur, les chameaux que tu as pris m'appartiennent, donc je te les réclame. L'autre, il dit, je suis venu pour détruire votre maison sacrée, toi, tu me parles de chameaux. Il a dit, les chameaux, ils m'appartiennent. Quant à la Kaaba, elle a son maître et c'est lui qui s'en occupera. Alors, il a continué, Abraha et son armée ont continué leur marche vers la Kaaba pour la détruire. Tous les gens de la Mecque ont laissé la ville vide et ils sont montés sur les hauteurs pour regarder ce qu'il se passe. Et arrivé devant la Kaaba, l'éléphant s'est assis, s'est agenouillé, il ne voulait plus avancer. Ils l'ont tapé, ils ont tout fait, il ne veut pas. Quand il le tourne en direction du Yémen, il marche. Quand il le tourne en direction de la Kaaba, il s'assoit. Il ne veut pas bouger. Jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des petits oiseaux envolés, c'est-à-dire plusieurs volées d'oiseaux, plusieurs groupes d'oiseaux qui sont venus les attaquer et leur jeter des pierres d'argile. Et ils ont été transformés, c'est-à-dire leur armée a été anéantie, et jusqu'au point où elle fut ressemblée à quoi? À de la paille mâchée. Imagine-toi une paille qui est mâchée par une vache et elle est recrachée. À quoi ça ressemble? Voilà à quoi ressemblait cette armée après qu'il se soit fait bombarder par ces oiseaux avec des pierres d'argile. Non. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a dit donc dans cette sourate, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Donc ils sont venus avec leur armée, leur ruse, leur éléphant. Allah Ta'ala dit arsala 'alayhim tayran ababil, et il a envoyé sur eux des oiseaux par volée, tarmihim bi hijaratin min sijil, qui leur lançait des pierres d'argile. Faja'alahum ka'asfin ma'koul. Il les a rendus semblables à une paille mâchée. C'est comme ça aussi, barakallahu fikum. Toute personne qui veut atteindre la maison sacrée d'Allah ou une chose sacrée de l'islam ou insulter Allah ou son messager, toute personne qui veut s'attaquer à l'islam, alors Allah tabarak wa ta'ala va lui retourner sa ruse contre lui. Na'am. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de préserver sa maison. Et sa maison, elle sera préservée jusqu'à un moment qu'Allah a voulu, qui est la fin des temps. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih rapporté par le Bukhari et Muslim qu'un abyssin viendra détruire la Kaaba pierre par pierre à la fin des temps. Donc ça, c'est une chose qui va arriver. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, qui est un hadith sahih, il a dit « Laissez les abyssins tant qu'ils vous laissent, car personne ne viendra sortir les richesses et détruire la Kaaba
si ce n'est Yusweiqatayn d'Abyssinie. Non. Certains ignorants aiment bien interpréter les textes religieux, surtout les textes de la fin des temps, à des épreuves ou à des situations que l'on vit actuellement. Ils ont dit, oui, cet Abyssin qui vient pour attaquer la Kaaba, c'est Barack Obama. Ceci est faux. Pour plusieurs raisons, c'est faux. La Kaaba sera détruite quand il n'y aura que les mauvais gens sur Terre. Il n'y aura plus de croyants. C'est à la fin. Après, il y aura plusieurs signes qui seront passés avant que la Kaaba soit détruite. C'est quand les gens n'adoreront plus Allah, quand il n'y aura plus de gens pour adorer Allah autour de la Kaaba. Donc, sa présence ne sera plus utile. Donc avant ça, ils vont s'en passer des choses. Il y a le Mahdi qui vient, Isa ibn Maryam il va venir, il va combattre le Dajjal, etc. Donc il y aura plein de choses qui vont se passer avant cela. Et comme on sait que l'heure ne se lèvera que sur les mauvais des gens, que sur les mécréants. Avant cela, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala va faire que tous les croyants meurent, qui restent sur terre, jusqu'à qu'il ne reste plus personne sur terre qui dit Allah. Et c'est là que ce Habashi, cet Abyssin, viendra détruire la Kaaba. Donc il faut savoir, barakallahu fikum, que les savants mettent en garde, surtout, précisément, les musulmans en général, et les gens de la Mecque précisément, de ne pas faire d'injustice à la Mecque, et de ne pas faire de grands péchés dans l'enceinte de la Mecque. Car si ils délaissent et ils dévalorisent la Mecque et la Kaaba, jusqu'au point où ils n'ont plus de bien en eux, ça veut dire que ce moment-là va bientôt arriver. Qu'Allah nous en préserve. Je voulais aussi, barakallahu fikoum, parler en ce qui concerne le fait d'interpréter certains faits actuels avec les signes de la fin des temps, de vouloir absolument trouver un lien entre eux. C'est un égarement évident. Et parmi les têtes de ces égarés qui fait cela, il y a Imran Hussein. Cet égaré qui parle sur Allah et sur son messager, sans science, ce soufi égaré, un économiste des îles Tobago, barakallahu fik, qui ne sait même pas parler arabe, les gens le prennent comme un savant. Pour prononcer 4 mots en arabe, il fait 10 fautes déjà. Et les gens le prennent pour un savant qui parle des signes de la fin des temps. Il nous a dit que Gog et Magog, c'est les juifs ashkénazes. Ils sont déjà sortis. Il a dit que le premier souffle dans la trompe, il a déjà été fait, hein. Il n'y a que les vrais croyants qui l'ont entendu. À la kulli hal, ça c'est un égaré de première, cette personne, qui égare beaucoup de gens. Car lui, c'est un économiste de profession. Il faut savoir que les économistes, ils connaissent aussi la politique. Un économiste, il étudie la politique. Donc effectivement, il peut prévoir, penser que vu la politique actuelle des gens, d'ici 1 ou 2 ans, il peut y avoir une guerre dans tel endroit ou tel endroit. Ça, c'est rien. Alors lui, c'est ce qu'il a fait. Avant les révolutions arabes, il avait soi-disant dit qu'il y aurait les révolutions arabes. Ça pouvait être prévu par quelqu'un qui connaît l'économie et la politique et qui connaît les plans des shayatines hommes et djinns qui travaillent pour détruire l'islam. À partir de là, il a eu une grande réputation. Ah, mashallah, il nous a annoncé une chose 2 ans avant qui est arrivée. C'est-à-dire, c'est un devin pour les gens. Allahul Musta'an. À la kulli hal, pourquoi je vous parle de cela? En toute époque de l'islam, les sectes qui se sont créées dans l'islam, elles se sont égarées dans une porte parmi les portes de la croyance. Ou dans plusieurs portes. Alors certains, ils sont entrés en profondeur dans ce qui concerne la destinée. D'autres, les actes des créatures et les actes du créateur. D'autres, la parole d'Allah, le Coran. D'autres, les anges. À toutes les époques, ils vont essayer de détruire pilier par pilier, anse par anse, les anses solides de l'islam, qui sont nos piliers de la foi. Et là, aujourd'hui, le pilier de la foi sur lequel tout le monde attaque beaucoup, c'est le 5e qui est la foi au jour dernier. Tout ce qui concerne les signes de la fin des temps, petit, grand, la mort, la tombe, la résurrection, ce qui se passe après la mort, ça rentre dans ce pilier. Ce qui devance le jour dernier, ce qui s'y passe pendant et ce qui passe après, ça fait partie de la foi au jour dernier. La foi, barakallahu fikum, dans les piliers de la foi, c'est une chose qu'on doit croire, c'est des choses qui font partie de l'invisible. On doit y croire comme Allah et son messager nous l'ont informé. Et il n'y a que les savants qui sont ancrés dans la science qui peuvent dire que telle ou telle chose, ça peut être un des signes de la fin des temps qui est passé ou qui est venu. Les signes de la fin des temps, il y a plusieurs sortes. Il y en a qui sont passés qui ne reviendront jamais. Il y en a qui sont passés mais qui sont constants, qui continuent à se renouveler constamment. Et il y en a qui sont à venir. Donc il ne convient pas à un économiste des îles Tobago ni à qui que ce soit de parler de cela. Mais il convient, barakallahu fikoum, aux savants de l'islam de parler de cela. Et parmi les sectes qui utilisent justement toutes les paroles sur la fin des temps pour égarer les gens, il y a aussi Ar-Rafida, les chiites, qui utilisent plusieurs vidéos
où ils montrent qu'il y a des complots, le complot mondial, etc. Ils exaspèrent cette réalité. C'est une réalité que dans toutes les époques, il y a des shayatines parmi les hommes qui combattent l'islam. C'est pas nouveau. Ça a existé avec chaque prophète. Ça a toujours existé depuis le début de l'islam. Le premier qui a été, qui a le shaytan homme, cette soi-disant conspiration mondiale, ou etc., c'était Abdullah ibn Saba, le shaytan, qui a appelé les gens l'un contre l'autre pour tuer Uthman et pour mettre la fitna entre les sahaba. Donc ça a existé déjà avant. Et ça continue d'exister, des suppôts de Satan qui travaillent pour répandre le faux. Ça, ce n'est pas nouveau. Walhamdulillah, et Allah, il va accomplir, il va pas achever sa lumière. N'en déplaise aux mécréants. Jusqu'au point où les gens sont tombés dans le shirk, qu'il leur donne du pouvoir plus qu'ils en ont. Ils contrôlent tout, ils nous ont mis des puces dans nos oreilles, ils savent tout ce qu'on fait, ils contrôlent les gens. Vous donnez du pouvoir à ces gens plus que ce que Allah Ta'ala leur a donné. Donc, barakallahu fikoum, libérez-vous de ces pensées dégarées. Arrêtez de transmettre les paroles autour des choses qui parlent de l'invisible sans savoir ce que les savants ils disent dessus. Donc pourquoi j'ai parlé de ça? On parlait de l'Habashi qui va venir détruire la Kaaba. Et ça fait partie des choses justement qu'ils répondent avec tout ce que aujourd'hui on entend aussi. Ça, barakallahu fikum. Transmettez autour de vous. Parlez-en aux gens autour de vous. On ne discute pas de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Ça fait partie d'un des piliers de notre foi, la foi au jour dernier. Il n'est pas permis d'en discuter ou de tergiverser sur ces sujets-là comme on le veut. Jusqu'au point où quelqu'un m'a dit, oui, le lac de Tibériade, il diminue tous les jours. Ça veut dire que Gog et Magog, ils sont déjà passés, ils ont bu. Je dis, Akhi, dans le hadith de Muslim, quand Gog et Magog, ils sont sortis, ils boivent du lac de Tibériade, il est bien dit que Isa ibn Maryam, il est déjà descendu. Je dis, il est où Isa? Dis-moi, il est où Isa? Après, je te dirai Gog et Magog, ils sont sortis. Car dans le hadith, l'ordre, il est bien déterminé. Thumma, thumma, Isa, etc. descend, puis après ci, puis après ça. Donc, jazakumullah khaira, il faut faire attention à ce point-là. Naam. Pour finir donc avec cette sourate, barakallahu fikum, il faut savoir que cette sourate, elle fait partie des signes précurseurs de l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car elle est arrivée l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. L'année de l'éléphant. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, en protégeant la Kaaba, car c'est sa maison sacrée, et en même temps c'était un signe précurseur de la naissance et de l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même, qu'à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et il a commencé à appeler les gens au monothéisme pur, il y avait encore des témoins oculaires de cet événement, barakallahu fikoum. Et malgré cela, ils n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ils ont vu comment Allah a protégé la Kaaba et qu'ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né cette année-là et que c'était des signes précurseurs qu'il y allait avoir un événement exceptionnel qui allait bientôt arriver. Et malgré cela, ils n'ont pas cru en lui. Alhamdulillah, la foi, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande qu'Allah nous fasse mourir sur la foi et sur le tawhid et sur la sunnah.